Disons qu'on était au cinéma en train de regarder un film vraiment vraiment très long, et que juste avant d'arriver au cinéma on a bu une grande bouteille d'eau, et disons qu'en plus on est en train de regarder un film où il est question d'eau, au bout d'un moment on va avoir du mal à penser à autre chose qu'au fait qu'on commence à avoir vraiment envie de faire pipi. C'est le bon moment pour réfléchir à la question, comment est-ce que à partir de cette bouteille d'eau que j'ai bu juste avant d'arriver au cinéma, je me retrouve maintenant à avoir envie de faire pipi? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo, de la façon dont nos reins fonctionnent. Et on va commencer par une sorte de résumé général, avant de plonger davantage dans les détails dans d'autres vidéos. Comme on le voit sur ce schéma, les reins sont situés au niveau de l'abdomen, un peu au-dessus du nombril. Chacun d'entre eux est de la taille d'un poing. Ils sont situés plutôt à l'arrière de l'abdomen. En avant ici, on aurait le foie, et de l'autre côté, la rate, et l'estomac au milieu, et en avant. Les reins reçoivent du sang en provenance du cœur. À partir de ce gros vaisseau qui descend du cœur et qu'on appelle l'aorte. Donc le sang arrive dans cette direction, au niveau des reins. Et ce que font les reins, c'est qu'ils sont capables de filtrer le sang qu'ils reçoivent et de former de l'urine. Donc l'urine, c'est une sorte de collection de déchets dont l'organisme se débarrasse et qui vient se collecter ici au niveau de la vessie avant d'être finalement éliminé quand l'occasion de faire pipi se présente. Donc ça, c'est un petit résumé de ce que font les reins. On va faire un peu de place pour voir un peu plus dans le détail comment les reins fonctionnent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner une petite boîte ici pour représenter schématiquement ce que font les reins avant de rentrer plus dans les détails dans les autres vidéos. La première chose qu'il faut comprendre, c'est comment sont vascularisés les reins. Pour comprendre ce qu'ils font, il faut comprendre comment le sang arrive jusqu'aux reins et part des reins. Et ce qu'on a dit, c'est que pour chaque rein, il y a une artère qui arrive à ce rein, qui lui amène du sang en provenance du cœur. Ce sang contient tout un tas de nutriments, comme des acides aminés ou du glucose. Il contient aussi des ions, comme des ions sodium. Et aussi de l'oxygène. Et le sang contient aussi un certain nombre de déchets, comme par exemple l'urée, des déchets qui sont produits par les activités normales de notre organisme, et dont on aimerait bien se débarrasser d'une façon ou d'une autre. Et il faut savoir que même des choses qui sont des nutriments, qui sont utiles pour l'organisme, peuvent parfois se retrouver en trop grande quantité, par exemple comme le glucose, ou des ions comme le sodium. C'est bien d'en avoir dans le sang, mais si on en a trop, ces molécules qui sont utiles pour notre organisme deviennent aussi des déchets à éliminer. Donc on a toutes ces différentes choses au niveau de cette artère qui arrive jusqu'au rein. Et ce qu'on sait, c'est que quand une artère arrive au niveau d'un organe, il y a quelque part une veine qui en repart, qui ramène le sang en partie désoxygéné en direction du cœur. Et l'idée, c'est qu'on se retrouve avec, à la sortie des reins, toujours des nutriments dans le sang. On ne veut pas spécialement s'en débarrasser, sauf s'ils sont en quantité anormalement élevée. Sinon, c'est quelque chose qu'on veut garder dans le sang. On retrouve aussi des ions comme le sodium, peut-être un peu moins que tout à l'heure, s'il y en avait trop et qu'une partie a été éliminée. Et puis de l'oxygène, mais en quantité plus faible, puisque les reins en ont utilisé une partie pour fonctionner. On en a moins au niveau de cette veine. C'est ce qui fait d'ailleurs que le sang y est plus foncé. Je vais écrire plus petit pour qu'on voit qu'il y en a moins. Et ce qu'on espère, c'est qu'au niveau de la veine, on ne trouve plus les déchets qu'on avait dans cette artère. Dans l'idéal, ils ont été filtrés par le rein, et c'est ce qui permet de former l'urine. Et ce que je n'ai pas encore dessiné sur ce dessin, c'est ce qui se passe entre cette artère et cette veine. Habituellement, entre les artères et les veines, ce qu'on trouve, ce sont des capillaires. Mais une chose qui rend les reins si spéciaux, c'est qu'on n'a pas un système, mais plusieurs systèmes de capillaires. On a d'abord un premier système de capillaires. Puis à nouveau un petit morceau d'artère, avant d'arriver à un autre système de capillaires. Qui lui ramène le sang jusque dans la veine.
Donc ici, ce qu'on a, ce sont des lits capillaires. C'est-à-dire plein de tout petits vaisseaux sanguins qui ont des fonctions différentes. On peut se demander pourquoi dans les reins il y a plusieurs systèmes de lits capillaires qui se font suite. Eh bien, si on résume ça de façon un peu schématique, on pourrait dire qu'au niveau de ces premiers capillaires, il n'y a pas que des déchets qui sont filtrés, il y a aussi d'autres choses, par exemple de l'eau, mais aussi des ions et des nutriments. Au niveau de ces capillaires qu'on appelle glomérulaires. Donc dans cette première série de capillaires, on a réussi à se débarrasser des déchets. Mais si on s'arrêtait à cette étape-là, on perdrait aussi beaucoup d'eau, d'ions et de nutriments. Et ce que fait cette deuxième série de capillaires, eh bien c'est qu'elle permet de réabsorber une partie des éléments dont notre organisme a besoin, qui sont récupérés à ce niveau-là et retournent dans la circulation. Il y a aussi des molécules qui peuvent être sécrétées de façon active dans l'urine. Pour ne pas les confondre avec la première série de capillaires, ces capillaires aussi ont des noms. Et comme on les trouve à deux endroits différents dans les reins, ils portent deux noms différents. Selon l'endroit où ils se trouvent, on les appelle des capillaires péritubulaires. Quand il se situe au niveau de petites structures des reins qu'on appelle des tubules. Mais il y a aussi un autre endroit où on trouve des capillaires qui permettent de modifier la composition de l'urine primitive en urine définitive. Et comme cette deuxième série de capillaires a tendance à être très rectiligne, on leur a donné un nom qui rappelle leur forme, on les appelle les vasa recta. Voilà comment les reins produisent l'urine, d'abord par filtration du sang, puis par réabsorption, mais aussi par des phénomènes de sécrétion qui permettent de modifier la composition de cette urine primitive et de former l'urine définitive qui est éliminée.